Bonsoir. Alors, avis de convocation à la séance ordinaire du 11 juillet 2022 à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers M. Marc Langlois, M. Jesse Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois. Donc, le projet d'ordre du jour suivant sera proposé. Donner des outils. Bonsoir tout le monde. On vous voit pas souvent, hein, vous autres, en salle. C'est qu'on est content de vous voir. Et juste en arrière de vous, il y a une caméra qui nous filme. Alors, ça nous permet de saluer les gens qui nous écoutent, soit via le web, YouTube, ou je pense que c'est le canal, je ne sais pas trop quel numéro. Le 6. Donc, bienvenue. Donc, j'inviterai Jesse, avant qu'on parle de l'ordre du jour comme tel, à présenter cette gang de belles jeunes personnes devant nous et nous expliquer le pourquoi et qu'est-ce qu'on fait. Donc, merci, M. le maire, chers collègues, à vous, chers amis. Donc, c'est avec un grand bonheur que nous reprenons la tradition initiée par le dernier conseil de recevoir aux séances publiques les jeunes qui bénéficient du fonds élite sportif attribué par le service des loisirs et de la vie communautaire. Par cette initiative, nous voulons bien sûr souligner vos efforts et aussi démontrer aux gens de Montmagny le bienfait d'un tel fonds sportif. Ça fonctionne comment? Mais c'est assez simple. On va sur le site de la ville de Montmagny, sur l'onglet loisirs et culture. Il y a un programme d'aide pour le sport élite, puis il y a un formulaire électronique qui est là, qui va être acheminé au service des loisirs. Il y a un système de pointage qui permet d'avoir des sous là, selon les épreuves ou les compétitions là, qui s'en viennent. Les prérequis à ce fonds sportif-là, c'est évidemment il faut que l'athlète soit résident à Montmagny ou dont les parents demeurent encore à Montmagny. Athlète qui excelle aussi dans les disciplines, dans une discipline sportive, et athlète de calibre qui participe à une compétition d'envergure à l'extérieur de Montmagny. Donc, c'est les prérequis pour avoir accès au fonds. Sans plus tarder, je vais inviter M. Jérémy Dumora, c'est bien ça, entraîneur du club de natation, afin de nous présenter les jeunes boursiers et leurs exploits. Donc, vous pouvez peut-être aller au micro. Karine va vous donner le micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Si vous me permettez, je vais prendre mon téléphone, il y a mes notes dessus. Je ne vous dérange pas parce que pas du il y a tout. Des chiffres un peu. Bonsoir. Donc, je tenais à vous remercier au nom du club de natation de Montmagny pour le soutien encore dans la poursuite de l'excellence pour les jeunes de la ville de Montmagny. C'est très apprécié. Ce soir, en partant du plus proche, vous avez Félix Cloutier, Ludovic Lamonde, Sébastien Carrier et Alexis Morneau qui sont présents. Ce sont nos athlètes qui ont bénéficié du soutien de la ville de Montmagny et de ses habitants pour la saison 2021-2022. Avant de rentrer un peu plus en détail dans le pourquoi du soutien financier, je tiens à vous dire que les deux dernières années ont été très, très, très différentes de l'ordinaire et nous ont forcés à trouver des petites idées pour garder nos jeunes motivés, pour garder un semblant normal à travers la pandémie, à travers le sport également. Fait qu'on est très chanceux d'avoir pu bénéficier de nos infrastructures, que ce soit tant dans des bains libres ou dans des entraînements organisés, quand on en avait le droit. Fait que le fruit de tout ça, ben, il est devant vous ce soir. Je suis content de vous montrer que malgré tout ce qu'on a traversé, ben, nos jeunes de la région se démarquent et vont continuer de se démarquer à l'avenir grâce à ce soutien financier-là. Fait qu'on a commencé cette année avec la première compétition d'envergure qui était le Ontario Junior International qui était à Toronto, à la piscine des Jeux panaméricains de 2015 qui avait été construite pour l'occasion, puis qui est aussi le Centre national de natation, en fait, où Peña Olejczyk et tous les gros nageurs de calibre international et médailles olympiques s'entraînent sur une base quotidienne. Fait que Sébastien Carrier était notre premier athlète à représenter le club à cette compétition d'envergure qui a vu plusieurs nageurs qui sont devenus champions olympiques passer par cette compétition-là. C'est une des meilleures compétitions pour les nageurs de 18 ans et moins au monde. Fait que vous allez croiser des Japonais, des Américains, évidemment, des Anglais, des Français, etc. Fait que c'est quand même une compétition qui a sa renommée internationale. Et on a Sébastien qui a réussi à se démarquer et gagner une médaille de bronze aux 50 mètres d'eau.
et avec un temps qui lui a permis de se classer troisième de sa catégorie d'âge 18 ans au Canada pour la saison en cours. Fait qu'il s'est pas mal démarqué là-dessus. Il a aussi fini cinquième au 100 mètres d'eau et sixième au 50 mètres papillon à cette compétition-là. Fait que ça a bien lancé la saison, puis ça a permis de planter la petite graine dans l'esprit des autres que ben, la performance, c'était lui à cette compé-là, mais ça peut être nous aussi. Et à travers cette fin de semaine-là, on avait aussi une compétition à l'Université Laval, où Félix Cloutier s'est classé pour les nationaux, les championnats canadiens, où il a rejoint Sébastien, qui est la prochaine compétition que je vous amène. Donc, en mars de cette année, fin mars, début avril, Sébastien Carrier et Félix Cloutier, ici présents, ont représenté la ville de Montmagny et le club de Montmagny à la meilleure compétition en terre canadienne, c'est-à-dire les championnats, les essais canadiens qualificatifs pour les championnats du monde et les Jeux du Commonwealth. Fait qu'on avait deux nageurs présents et c'était une première depuis 2012. Les deux derniers étaient Alexandre Lemieux-Fortin et Anne-Marie Couillard et ils ont représenté le club. Félix a pris la 40e place du 50 mètres brasse et 37e place du 100 mètres brasse, ce qui était pour lui une première expérience à ce niveau-là. Fait qu'il a très bien représenté en fait son club et sa région. Et il a montré beaucoup de qualité et beaucoup de potentiel pour l'avenir. Je vais vous en parler plus tard, en fait. Après ça, on a Sébastien, qui a fini 37e au 50 mètres d'eau, ainsi que 10e au 100 mètres d'eau dans la catégorie des seniors, dans le fond. Fait que ça a été une belle expérience. Cette compétition-là avait lieu, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, à Victoria, en Colombie-Britannique. Fait qu'on est parti un beau 9 jours et grâce au soutien de la ville, ben, nos deux nageurs ont pu bénéficier d'une aide incroyable dans leur voyage et dans le fait de pouvoir focusser sur la performance et non sur tous les à côté d'un sport amateur qui est le financement à ce moment-là. Fait que c'est très apprécié. Après ça, nous avons eu une belle compétition à Vancouver cette fois-ci. Vous allez vous dire qu'on a beaucoup voyagé pendant une pandémie. On est allé à une autre compétition internationale qui, celle-là, me tenait à cœur parce qu'elle pouvait nous permettre à 7 de nos nageurs, dans le fond, ils ne sont pas tous devant vous, évidemment, ce soir, mais ces 4 nageurs-là étaient présents, ainsi que 3 de leurs coéquipiers. On est allé à Vancouver pendant 5 jours, à l'Université de Colombie-Britannique, UBC, pour défendre les couleurs de Montmagny, dans le fond, à l'invitation internationale Mels Ajax, sa 57e édition, qui est une autre compétition, cette fois-ci en bassin long, bassin de 50 mètres, qui nous permet, dans le fond, de voir les meilleurs nageurs au monde à une compétition d'envergure de même. Il y avait l'équipe des États-Unis et l'équipe canadienne junior qui étaient présentes. Fait que c'était quand même une belle compétition et les 4 nageurs-là se sont bien démarqués. Et ça a vraiment permis, en fait, de, comme je parlais en début d'année, qu'on avait planté la graine, de semer la graine pour pouvoir envisager des belles choses. Ces compétitions-là ont permis à Ludovic Lamonde de se qualifier, dans le fond, pour les Jeux du Québec. Il représentera la région Chaudière-Appalaches aux Jeux du Québec en eau libre aux 5 km. Fait qu'il ne l'a pas volé sa place. Fait que Ludovic est présent ici. Et nous avons aussi Alexis Morneau qui est présent, qui a fait un des meilleurs temps au Canada cette année aux 50 mètres libres de sa catégorie d'âge. Et il s'est aussi distingué en faisant le record toute catégorie au 50 mètres libre du club. Fait que c'est le nageur, le 50 mètres libre, c'est l'épreuve la plus rapide qui existe. Ben, on peut dire qu'on a le nageur le plus vite de l'histoire de la ville de Montmagny présent avec nous ce soir en réunion du conseil. Fait que c'est pas mal là où on en est. Puis je tenais à vous remercier du soutien vital que vous offrez et que vous continuez de donner au club de natation de Montmagny. Puis j'espère qu'à l'avenir, nous allons pouvoir continuer de bénéficier de ce soutien-là pour permettre à nos jeunes de la région, pas juste nos 4 ici, mais à tous les jeunes de la région qui souhaitent s'impliquer et être dans la piscine, ben, de pouvoir continuer à le faire dans les meilleures conditions possibles. Fait que je vous remercie. Bravo. Puis bravo. Si vous avez des questions, je vous en prie. Bravo. Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Jérémy. Je sais, on s'est croisés dans le cadre du complexe culturel et sportif en santé durable. Tu joues un rôle actif, exemplaire. Donc, merci à toi aussi pour ton rôle auprès de tous ces gens-là aussi. C'est une valeur ajoutée pour la région. Merci.
Donc, est-ce qu'on quelle conclut? Fierté, M. Brandon. Oui, oui, oui. Quelle fierté, puis belle réalisation. Oui, bravo, bravo, personnellement. Là. Mm-hmm. Le club de natation, moi, ça me tient très à cœur. Ma fille a fait de la compétition aussi, et puis j'ai des émotions. Mais pour conclure avec ça, il faut souligner aussi que malgré le petit échantillonnage de nageurs de la région, de Montmagny, performer au Pan canadien ou performer mondialement comme ça, je pense que c'est une réussite. Puis ça prouve que la qualité des entraîneurs et l'organisation du conseil d'administration, malgré la vue au-dessus, malgré la piscine qu'on a, en espérant qu'on ait des bonnes nouvelles dans les prochains mois, dans la prochaine année, pour avoir un complexe là, ultra moderne, pour vous permettre encore de rayonner puis d'amener d'autres jeunes aussi à des niveaux comme ça, puis d'apprendre aussi aux plus petits, d'apprendre à nager aussi, puis c'est ça. Donc, un gros bravo, félicitations. Bravo. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Et Jessie ou Jérémy, on ne parle pas des performances des deux autres personnes dont on n'a pas parlé, qui sont dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut en glisser un mot sur votre rôle? Non? Le support inconditionnel. Le support qui est très important pour l'athlète. Oui. Notre mère accompagnatrice. C'est ça, le support. Bravo à vous autres aussi qui êtes ici. Est-ce qu'on termine sur ce point-là? Est-ce qu'il y avait une prise de photo après ou pas? Ou non, c'est pas si vraiment quitter, je pense que sinon, nous, on va poursuivre la séance. Peut-être une prise de photo, monsieur le maire. Après ça, vous pourrez quitter là, avec, pour, si vous voulez continuer. Ici. Ouais. Donc, on peut se lever pour aller prendre une photo ou vous venez tout simplement en avant. Je ne sais pas comment c'est quoi le setup. Ça peut être une photo à l'avant. Puis nous, on se lève, eux, ils vont être debout en avant, c'est ça? Avec le panneau. Le panneau. Puis de toute façon, on va ajuster au montage. Ça va comme ça? Il y en a deux qui sont très grands, par exemple. J'ai voulu stratégie. Il faut que le maire demande pour Là, on ne voulait pas contaminer la gang d'athlètes. Merci encore. Merci à vous. Merci. Merci de vous accompagner. Sébastien, qui est toujours un ami à moi. Oui. Bonjour. Bon été. Merci. Merci. Bon été à vous aussi. Donc, après la visite des athlètes, c'était une belle présentation. Merci beaucoup pour l'initiative, Jessie. On va poursuivre hier, pour ceux qui ben, la plupart des gens le savaient, on avait l'inauguration, en fait, la porte ouverte de l'espace citoyen à Place Migration, donc notre pavillon communautaire. On a eu la visite de quelques 300 personnes et il y avait un tirage qu'on va faire tantôt pour ceux qui étaient présents. On a un chèque cadeau de 150 $ qui est sous forme de rabais, je crois, pour ceux qui vont bénéficier de l'espace citoyen, et aussi un emballage cadeau. Donc, j'inviterai Sylvie Boulay à procéder au tirage, s'il vous plaît, donc à tirer deux noms. Est-ce que je trouve la boîte citoyenne? OK. Alors... Le premier prix étant... Là, tu peux, Sylvie, c'est ton... Le premier prix étant, faut que tu décides. Le premier prix étant le rabais de 150 $ pour le pavillon, pour l'allocation d'une salle au pavillon communautaire. Alors, la gagnante est Mme Linda Blanchette de Montmagny. Félicitations, Linda. Félicitations, bravo. Donc, on va communiquer avec ces gens-là. Oui. Le deuxième, c'est un emballage cadeau qui, je pense qu'il est placé en bas. Je vais aller le chercher. Mmh. Elle est là. Est-ce que les gens le voient? Madame Karine?
Allons-y. Alors, la deuxième personne gagnante, il s'agit de Mme Gisèle Collin. Bravo, Mme Collin. Wow. Oh, wow. Ah, vraiment, wow. C'est beau. Donc, les couleurs de la ville. On peut le voir. C'est un ensemble de quoi? Servite de plage, bronzage. Même une bière, on travaille ça. Pour le parc aquatique. Pour le parc aquatique. Entrée pour le parc aquatique. Le parc aquatique. Ça vient avec une, c'est des droits d'entrée familiaux pour le parc aquatique pour une journée. Il y a tout ce qu'on a besoin pour les enfants, c'est les migrants. Il y a des bières d'amicobrasserie de la Côte-du-Sud. Bravo, c'est un beau cadeau. Félicitations. Alors, félicitations, merci à merci aux nombreux visiteurs. Oui, puis on vous invite aussi à prendre à vous prévaloir d'une prochaine visite aussi. Oui, éventuellement. Mais les commentaires, en général, étaient très positifs. Oui. Les gens ont mentionné leur fierté à la ville avec tous les aménagements qu'on a fait au cours des dernières années. On parle de la place Montel, la bibliothèque, mais aussi le nouvel espace citoyen, la place de migration, le camping, les glissades d'eau. Comme on s'en va au Québécois, de Naimit. Non, il y en a qui vont lancer des tomates après la séance. Vous avez pris un anglicisme, désolé. Donc, on va poursuivre formellement avec l'adoption de l'ordre du jour. Et j'invite le promoteur Jessica Croteau à poursuivre avec les trois prochains points qui vont avec. Donc, merci, M. le maire. Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance du 11 juillet 2022, telle que présentée. On va prendre un secondaire. Appuyez, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Et maintenant, le point 4, c'est l'approbation des procès-verbaux, procès-verbal de la séance du 27 juin. Donc, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2022 en remplaçant dans la résolution numéro 2022-274 le nom de la rue Paul-Henri par le nom Paul-Henri. Donc, Paul-Henri avec un Y par le nom Paul-Henri avec un I. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Et le point 5, c'est le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 21 juin 2022. Donc, je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 21 juin 2022 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Même chose, je vais demander. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, je poursuis avec le dépôt habituel des documents. En fait, on a le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire en date du 7 juillet 2022. Le dépôt de la liste datée du 30 juin 2022 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Donc, le point 8, dépôt du registre daté du 8 juillet énumérant les occupations du domaine public autorisé en vertu du règlement numéro 1066. Et enfin, le dépôt du procès verbal de correction. En fait, on appelle ça un dépôt de correction. Oui, c'est qu'il y a une coquille, étant donné que le procès verbal a déjà été adopté par le conseil municipal. Ouais. Donc, je fais uniquement déposer la correction. Pour vous informer les membres du conseil. Parfait. Donc, pour l'ensemble de ces documents, tout le monde a eu l'occasion de les regarder, poser des questions et ils deviennent publics comme à chaque fois. Ça nous amène à poursuivre avec les résolutions de ce soir et j'invite Marc Langlois avec la prochaine. Alors, merci, M. le maire. La prochaine résolution concerne la nomination d'une mairesse suppléante et d'un substitut du maire à la MRC de Montmagny. Donc, comme vous le savez, les mandats là, des maires suppléants, c'est des mandats de 4 mois. Donc, celui de M. Croteau va se terminer le 23 juillet. Alors, ce soir, on procède à la nomination de la prochaine mairesse suppléante. Donc, je propose de nommer Mme Mireille Thibault, conseillère municipale du district numéro 4, mairesse suppléante à la ville de Montmagny pour une période de 4 mois à compter du 24 juillet et ce jusqu'au 26 novembre 2022. De nommer également Mme Thibault à titre de substitut du maire de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période et l'autoriser à voter lors de ses rencontres.
d'autoriser finalement Mme Mireille Thibault à signer tout chèque ou mandat pour le paiement d'argent à payer ou à recevoir toute somme d'argent et en donner quittance. Alors, pour cette résolution, je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, monsieur. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Bien, j'en profite pour remercier celui qui va terminer son mandat, Jessica Croteau, d'avoir bien fait le travail, tout comme l'avait fait auparavant Sylvie Boulay. Et merci à Mireille de prendre la relève. Puis, je profite de l'occasion pour rappeler que, dans le fond, le temps passe rapidement. Ça fait déjà 9 mois qu'on travaille ensemble. Puis, les commentaires que je reçois de l'extérieur sont toujours positifs par rapport à ce qui se passe au conseil, par rapport à la ville et tout ça. C'est certain, des fois, on discute fort, puis c'est normal, un conseil, qu'on discute fort. On n'est pas toujours d'accord. Des fois, on se donne une petite bine de temps en temps sur l'épaule, c'est correct. Puis, c'est comme ça qu'on avance, puis qu'on améliore les dossiers, des fois, dans l'adversité. Mais donc, on a des bons résultats. Moi, je suis très fier du conseil, du travail qu'on fait ensemble. Puis, dans le fond, on s'est vite pensé, on aura une année de fête ensemble. Donc, avec la période estivale aussi, certains d'entre vous allez prendre des vacances ou un moment de repos. Alors, tout comme les citoyens, j'en profite pour souhaiter une belle période estivale à tout le monde. Puis merci encore, je pense. Et aussi, aussi l'administration avec notre directeur général, Félix Michaud, Karine Simard, aussi la greffière. Et des fois, il y a beaucoup de travail. Des fois, les gens disent c'est facile, on accepte, tous sont d'accord. Mais en arrière, il y a beaucoup de travail, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges par rapport à ça. Donc, merci tout le monde. On va poursuivre avec les dossiers de la direction générale et j'invite Mireille Thibault à poursuivre avec la numéro 11. Merci, M. le maire. Bonsoir à vous toutes et à vous tous à la maison. Alors, le point 11, modification des heures d'ouverture de l'hôtel de ville. Alors, considérant que la ville de Montmagny a effectué un sondage auprès de la population afin de connaître les besoins en termes d'heures d'ouverture au public de l'hôtel de ville, considérant les résultats et commentaires révélés par ce sondage, je propose de modifier les heures d'ouverture de l'hôtel de ville au public, soit du lundi au jeudi, de 8 h à midi, et de 13 h à 16 h, et le vendredi, de 8 h à midi. J'appelle un secondeur. Et appuyer, madame. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Monsieur le maire, tout simplement pour insister sur le fait que ce sont les heures d'ouverture. Oui. Des portes de l'hôtel de ville et que s'il y a des problématiques très particulières ou urgentes, il a été mentionné que le personnel était en place pour y répondre. Et toujours possibilité d'y aller sur rendez-vous. Et effectivement, sur rendez-vous, c'est important de le préciser. Oui. Ce sont les heures de porte d'ouverture. Oui, c'est ça. Merci pour la précision. Donc, ça nous amène au point 12, et j'invite, si vous voulez, à poursuivre 12 et 13. Donc. En fait, moi, j'invite Gabriel à faire la lecture du point 12, monsieur. Ah oui, monsieur, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez changé? Oh, non, ouais, on vous a joué un tour. C'est moi qui on vous a joué un tour. Ah, OK, c'est correct. À votre insu. Merci. On aime ça. Des fois, vous nous prenez de cours pour des discours, là, on vous prend de cours pour la lecture. C'est bien correct, j'aime ça. Donc, au point 12, c'est l'approbation des dépenses et de contributions et l'autorisation de paiement. Je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif et ou personnes totalisant un montant de 72,96 selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal. Donc, la seule dépense pour cette résolution est un remboursement à Mme Sylvie Boulay pour un frais de déplacement pour l'Assemblée générale annuelle de télésanté surveillance qui a eu lieu le 29 juin 2022 à Lévis, donc un montant de 72,96 d'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités, le tout selon les modalités prévues au règlement numéro 891 établissant un tarif applicable aux gestes posés pour le compte de la municipalité au Québec et prévoyant les modalités de remboursement des dépenses des élus et des employés et ses amendements. Donc, j'en fais la proposition. Je vais avoir besoin d'un secondeur. C'est... Je vais seconder. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Merci. Donc, retour à Mme Boulay pour le numéro 13. Oui, on monsieur. Comprend que pour la précédente, parce que tu étais concernée. Alors, au niveau de la résolution numéro 13, c'est l'engagement de la Ville à contribuer au programme supplément au loyer projet Famille 48 à 86 du chemin des Poiriers. Alors, je propose
par la présente, d'autoriser le remboursement d'une somme de 907,80 $ à les logements Côte-du-Sud incorporés, laquelle somme correspond à 10 % du montant de supplément au loyer accordé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, et ce, conformément à conformément à l'entente tripartite concernant l'octroi de la gestion du programme de supplément au loyer Accès Logis destiné aux bâtiments situés au 48 à 86 chemin des Poiriers. Alors, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Merci. Donc, on va poursuivre avec les dossiers du service des loisirs, culture et vie communautaire avec Michel Bernard. Pour faire le lien avec les invités que nous avions en début de soirée, en début de séance, donc le point 14, versement des subventions au club natation Montmagny, utilisation de la piscine Guylaine Cloutier pour l'hiver et l'été 2022. Donc, considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier, considérant qu'un mode de subvention a été prévu pour les organismes à but non lucratif usagers de ces plateaux sportifs à titre d'aide de fonctionnement, je propose de verser au club Natation Montmagny une subvention totalisant 8 352 $, représentant l'aide de fonctionnement accordée à cet organisme découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny, soit 80 % des heures d'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Donc, au point 15, toujours versement de subventions à divers organismes, utilisation du terrain multisport La Prise, printemps 2022, considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation du terrain multisport La Prise, considérant qu'un mode de subvention a été prévu pour les organismes à but non lucratif usagers de ce terrain à titre d'aide de fonctionnement, je propose de verser aux organismes à but non lucratif usagers du terrain multisport La Prise, énumérée ci-après, des subventions totalisant 1 501,28 $, représentant l'aide de fonctionnement qui leur est accordée, découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de ce plateau sportif pendant la saison du printemps 2022. Donc, baseball mineur Saint-François-les-Vikings, 1 275,53 $, et le centre de la petite enfance Le Farfadet, 225,75 $. Donc, au dernier point, l'autorisation de création d'une murale au 101 avenue Sainte-Julie, considérant l'offre reçue par l'artiste River June, une artiste muraliste associée à l'organisme Québec Oiseau, afin de réaliser une murale ornithologique sur un immeuble de la Ville de Montmagny, considérant la proposition de la Ville de peindre sur l'immeuble à vocation culturelle situé au 101 avenue Sainte-Julie, un gros bec errant, soit un oiseau de retour dans la région et qui est très populaire auprès des amateurs d'ornithologie, considérant que le comité consultatif de la culture recommande unanimement ce projet, je propose d'autoriser l'artiste muraliste River June à réaliser une murale représentant une espèce d'oiseau, gros bec errant, sur le bâtiment municipal à vocation culturelle situé au centre-ville, soit le 101 avenue Sainte-Julie, d'autoriser à titre de subvention le versement d'une somme de 500 $ pour la réalisation de cette œuvre. Donc, sur ces points, j'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, Madame Bernard. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci, Madame Bernard. Alors, je transfère la parole à Madame Brisebois pour les dossiers des ressources humaines.
Oui, au point 17, c'est l'engagement au poste de préposé à l'entretien ménager à horaire variable. Donc, considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la convention collective de travail des employés col bleu et la recommandation du comité de sélection pour combler le poste, je propose d'engager Mme Ruby Espiritu-Santo, je vais le redire comme il faut, Ruby Espiritu-Santo-Mercedes au poste de préposé à l'entretien ménager horaire variable aux salaires et conditions prévus à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la ville de Montmagny sous réserve de sa disponibilité d'ici les deux prochaines semaines. Donc, c'est un employé qui va s'occuper, entre autres, de l'entretien ménager pour le pavillon communautaire. Après une étude qui a été faite au niveau des coûts, ça a été déterminé que c'était moins coûteux d'engager un employé que de faire affaire avec une firme extérieure pour nous assurer là, de la conformité du travail. Au niveau du point 18, c'est la mise à jour de la banque d'employés manuels occasionnels. Considérant la nécessité de mettre à jour la banque d'employés manuels occasionnels au service des travaux publics et infrastructures, créée afin d'effectuer des remplacements occasionnels et temporaires ou pour répondre à des surcroîts occasionnels de travail, et considérant les recommandations du comité de sélection, je propose d'ajouter à la banque de salariés occasionnels col bleu au service des travaux publics et infrastructures, créée pour combler d'éventuels postes temporairement vacant à la ville de Montmagny ou pour répondre à des surcroîts de travail occasionnels en matière de travaux manuels, la personne suivante, M. Stéphane Morin. Et finalement, pour le point 19, qui est l'adoption de la politique de télétravail, vous savez qu'avec la pandémie, le télétravail s'est installé dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations, dont la nôtre. Donc, considérant que les organisations doivent se renouveler et revoir leur façon d'aborder, d'organiser le travail suite à cette fameuse pandémie et aussi à la pénurie de main-d'œuvre, et considérant que le télétravail est une méthode de travail de plus en plus reconnue et efficace qui facilite grandement l'organisation du travail, je propose d'adopter la politique de télétravail telle que présentée au Conseil municipal le 4 juillet 2022. Donc, pour ces trois résolutions, je vais avoir besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Je vais appuyer Mme Brisebois. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Merci. Donc, on poursuit avec les dossiers du service de sécurité incendie avec Mireille Thibault. Merci, M. le maire. Alors, le point 20, autorisation de disposition d'un camion incendie, municipalité de l'Île-aux-Grues. Considérant que la municipalité de l'Île-aux-Grues désire acquérir de la ville de Montmagny un camion incendie Ford Sterling 1998, considérant que la municipalité de l'Île-aux-Grues souhaite que la ville de Montmagny s'engage par résolution à leur céder ce camion à titre onéreux, je propose de confirmer à la municipalité de l'Île-aux-Grues son intention de lui céder son camion incendie Ford Sterling 1998 avec un réservoir d'une capacité de 2500 gallons et une piscine de 2500 gallons avec une pompe pour un montant de 75 000 $ plus taxes. Je demanderai un appuyeur. Je vais l'appuyer, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Donc, on poursuit toujours avec Mme Thibault sur les dossiers du service des travaux publics. Effectivement, M. le maire. Merci. Alors, le point 21, confirmation de travaux et demande au ministère des Transports, versement de la subvention, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, volet 2, amélioration des infrastructures de transport actif. Attendu que le programme d'aide aux infrastructures de transport active, VELOS 3, a pour objectif général de soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transport actifs, attendu que le projet de reconstruction de la piste cyclable du boulevard Taché-Est entre l'avenue du Bassin Sud et l'avenue Labret est admissible à une demande de financement dans le cadre de ce programme, estimée à 62 166 $ toutes taxes incluses, et que le montant demandé au ministère est de 31 083 $ Attendu qu'afin de déposer une demande d'aide financière, la Ville de Montmagny doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera réalisée et certifie que Mme Sylvie Ouellette, ingénieure coordonnatrice, est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports.
te demande un appuyeur. Allez-y, Mme Thibault. Je vais appuyer, Mme Thibault. Merci, M. le maire, tout simplement préciser l'importance de ce programme pour la ville de Montmagny, pour le prolongement de nos pistes cyclables sur le territoire. Alors, c'est un programme qui permet à une municipalité telle que la nôtre de bénéficier d'une aide financière et, dans même temps, d'offrir un service de qualité ou une piste cyclable de qualité à nos citoyens, citoyennes et à tous nos visiteurs. Alors, c'est une très belle initiative. Merci pour la précision. Donc, est-ce qu'on poursuit avec oui, les autres? Oui, c'est dans un autre... Oui, c'est dans le bloc, mais des fois, tu voulais faire la fermeture, là. Donc, oui, on va y aller avec un appuyeur pour fermer. Mais on l'a fait, non? Oui, on l'a fait. Donc, tous sont d'accord? Oui. C'est ça, il manquait juste là, l'accord de tous. C'est ça. Non, c'est correct. Mais on aurait pu toutes les faire en bloc, mais le diviser comme ça, c'est correct. Donc, on poursuit toujours avec Mme Thibault avec les dossiers du service d'urbanisme. Effectivement, M. le maire, merci. Oui. Alors, le point 22, autorisation mise en candidature, prix aménagement du territoire et urbanisme. J'aimerais d'emblée féliciter le personnel de la ville de Montmagny pour cette initiative de s'inscrire dans ce concours, bien que nous sommes au fait que ça demande des énergies et du temps pour y arriver. Mais je pense que c'est un beau projet et souhaitons que la ville puisse rayonner également à ce niveau-là, bien qu'elle rayonne déjà. Oui. Alors, le point, considérant que les prix du mérite municipal 2022 souligne l'apport important de personnes, de groupes, d'organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué à améliorer le mieux-être et le développement de leur communauté. Considérant que toutes les nouvelles réalisations effectuées à Place des Migrations, dont le pavillon communautaire, espace citoyen, cadre dans la catégorie aménagement du territoire et urbanisme, permettrait à la ville de Montmagny de déposer sa candidature dans ce concours, en ce que l'aménagement de ces projets exemplaires améliore la qualité de vie de la collectivité magny-montoise, considérant que la nomination de la ville de Montmagny pour la réalisation de ces projets contribuerait au rayonnement et à la mise en valeur de la région et procurerait une visibilité notable aux yeux de toute la province, je propose d'autoriser le coordonnateur en aménagement et développement à signer et à déposer pour et au nom de la ville de Montmagny le formulaire de candidature de la ville de Montmagny dans la catégorie aménagement du territoire et urbanisme du prix du mérite municipal 2022 pour les projets réalisés à Place des Migrations dont le pavillon communautaire espace citoyen. Point 23. Autorisation d'utilisation du domaine public et de financement, projet de forêt nourricière sur le lot 3 844 750, École Saint-Nicolas. C'est un projet qui est très important pour l'École Saint-Nicolas et la ville est très heureuse de s'associer à cette demande d'aide financière en souhaitant qu'elle reçoive un appui positif de nos instances supérieures. Alors, considérant que l'École Saint-Nicolas et la Corporation de développement communautaire CDC Montmagny-Lillet ont élaboré un projet de forêt nourricière pour l'École Saint-Nicolas en collaboration avec la Ville de Montmagny en vue d'améliorer l'accessibilité à des aliments frais, sains et nutritifs pour les élèves de l'établissement. Considérant que le projet concerne la création d'une forêt nourricière qui représente un projet d'une valeur de 25 000 $ et qui s'insère dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales d'Agriculture et agroalimentaire Canada, considérant que les objectifs de réalisation du projet s'inscrivent dans les orientations de la réflexion stratégique 2020-2025 de la Ville Montmagny, je propose d'appuyer le dépôt du projet de forêt nourricière de l'École Saint-Nicolas au Fonds des infrastructures alimentaires locales par la CDC Montmagny-Lillet, de s'engager à supporter financièrement le 25 % manquant du coût total pour la réalisation du projet de forêt nourricière à la hauteur de 6 500 $ tel que décrit dans le formulaire de demande comme participation du milieu. D'autoriser l'École Saint-Nicolas et la CDC Montmagny-Lillet à utiliser une partie du lot 3 844 750 appartenant à la ville pour la réalisation de ce projet. J'appuie un appuyeur pour ces deux dossiers. Je vais les appuyer, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on va poursuivre toujours dans le même bloc, mais puisque ça concerne plus le comité consultatif d'urbanisme, c'est Jessica Proto qui prend la relève. Oui. Donc, merci, M. le maire. Donc, le point 24, c'est un PIA
au 30 Avenue des Érables, revêtement extérieur. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés au règlement 1260, relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, pour le secteur érable manoir et bâtiment d'intérêt patrimonial, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Le choix des matériaux et la qualité et la durabilité, l'harmonisation avec le cadre bâti, considérant que le choix du revêtement des murs latéraux n'est pas de même facture architecturale similaire à la façade, je propose donc d'accepter partiellement la demande en vertu du règlement 1260 relative à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur érable manoir et bâtiment d'intérêt patrimonial concernant la propriété située au 30 Avenue des Érables visant à permettre le revêtement extérieur de la de façade en plaquage de pierre et de refuser le revêtement extérieur pour les autres murs en dentelin de vinyle. Toutefois, le comité recommande aussi d'accepter le revêtement de bois sur tous les façades du bâtiment advenant la modification de la demande de permis. Le point 25, dérogation mineure au 417 rue Price, entrée Chartière. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure telle que définie par l'article 145.1 et suivant de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas pour effet d'atteindre à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Considérant la publication de l'avis public de consultation et aucun commentaire n'a été formulé quant à cette demande de dérogation mineure, je propose donc d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 417 rue Price visant à permettre une largeur d'entrée chartière de 6 mètres alors que l'article 5.23.5 du règlement prévoit 3 mètres. Dérogation mineure là, au 23-587 boulevard Taché-Ouest pour une marge avant de la maison et une marge arrière de la remise. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure telle que définie par l'article 145.1 et suivant de la loi de l'aménagement de l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Donc, c'est à peu près les mêmes choses que le dernier point. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont effectué de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. Et la demande n'a pas pour effet également d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Considérant la publication de l'avis public de la consultation, qu'aucun commentaire n'a été formulé quant à cette demande de dérogation mineure. Je propose donc d'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 23-587 boulevard Taché-Ouest visant à régulariser une marge avant de la maison de 3,12 mètres au lieu de 7,5 mètres et une marge arrière de la remise de 0,66 mètres au lieu de 1 mètre. Et enfin, la dernière, le point 27, dérogation mineure au développement des écoliers largeur de rue. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure telle que définie par l'article 145.1, et suivant de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants.
Donc, c'est exactement la même chose. Est-ce que je peux, Mme Karine, m'exenter de lire c'est encore les mêmes critères. Donc, je vais sauver ça. Considérant la publication de l'avis public de consultation et aucun commentaire n'a été formulé quant à cette demande de dérogation mineure, je propose donc d'accorder la dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 1200 à ces amendements concernant la propriété constituée des lots 3,281,373 et 5,613,000 visant à permettre une largeur de rue de 12 mètres au lieu de 15 mètres. Donc, pour ces résolutions, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. D'accord. Merci. Merci, M. Croteau. C'était la dernière. Qu'on souligne avec une belle boucle, en plus. Puis éventuellement, M. le maire, dans le journal municipal, nous allons expliquer un peu les procédures ou le processus du CCE à la population pour informer comment ça fonctionne, puis on se réunit, puis on analyse avec l'administration, puis on recommande aussi au conseil des solutions. Donc, une belle initiative. On va parler de ça dans le journal municipal de l'automne. Parfait, merci beaucoup. Donc, on poursuit avec la réglementation, puis j'invite Gabriel Brisebois avec un avis de motion. Oui, absolument. Donc, c'est un simple avis de motion. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement 1224 établissant un programme de rénovation Québec. Donc, c'est un règlement qui existait déjà, pour lequel on fait une modification. Simplement parce que la Société d'habitation du Québec nous demande maintenant que ce soit explicitement marqué que la subvention de la ville est donnée en crédit de taxe. Donc, c'est un simple ajout qui est fait à ce règlement-là pour, entre autres, le projet de la résidence du parc et le projet de la résidence Bon Conseil phase 2. Donc, ce ne sont pas des nouvelles subventions qui sont octroyées, ce sont simplement une spécification pour les deux projets pour dire que ce sont des crédits de taxes et non de l'argent sonnant là, qui est donné pour ces projets-là. Donc voilà, l'avis de motion est donné. On va revoir cette modification de règlement-là au mois d'août. Bien, merci beaucoup. Donc, on poursuit avec deux résolutions qui ont été, en tout cas, sont à l'heure du jour, mais en fait, on n'avait pas nécessairement dans nos papiers d'origine. Donc, la 29, j'invite Sylvie Boulay. Oui. Alors, le point 29, c'est l'autorisation de signature. C'est une promesse d'achat pour les lots numéro 6,396,251 et le 6,396,252 du cadastre de Québec, dans le parc industriel. Alors, je propose donc d'accepter l'offre d'achat soumise à la Ville de Montmagny par l'entreprise 91-93-1295 Québec Incorporé pour l'acquisition des terrains propriété de la Ville situés dans le parc industriel Amable-Bélanger, connu et désigné comme étant les lots numéros 6,396,251 et 6,396,352 du cadastre de Québec, et ce, selon les termes et conditions préalablement établis par les parties. D'autoriser le maire, la greffière ou le directeur général de la Ville de Montmagny à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la promesse d'achat pour la vente des terrains. Alors, j'appellerai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais la proposer, Mme Boulay. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on poursuit avec la dernière comme telle, la numéro 30. Donc, j'invite Mireille Thibault. Merci, M. le maire. Alors, la résolution numéro, le point 30, projet de complexe culturel et sportif en santé durable. Alors, considérant le dépôt officiel du projet du complexe culturel et sportif en santé durable lors d'une conférence de presse le 30 mai dernier, considérant le travail colossal accompli depuis plus de 4 ans dans ce dossier par tous les partenaires et le comité de pilotage, dont notamment la MRC de Montmagny, considérant le rôle qu'occupe la Ville de Montmagny à titre de ville de centralité au sein de la MRC de Montmagny, je propose de réitérer notre pleine et entière confiance à la MRC de Montmagny, de confirmer l'engagement de la Ville de Montmagny à poursuivre le travail avec les partenaires afin d'obtenir le financement requis à la réalisation de ce dossier, tant pour le volet culturel que sportif, de transmettre copie de la présente résolution à la MRC de Montmagny. J'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, ça nous amène aux interventions des membres du conseil.
Et j'invite Mireille Thibault à formuler un bon mot. C'est la soirée, monsieur le maire. Oui. Alors, c'est un mot qui s'adresse à toute l'administration. Alors, comme vous le savez, la ville de Montmagny a réalisé une planification stratégique 2020-2025 dans le but de s'assurer, une cohérence dans ses décisions et ses actions en respect avec sa mission et sa vision. Par la suite, le conseil municipal précédent et nous-mêmes, nous avons convenu de poursuivre les démarches pour obtenir un rapport de perspective organisationnelle et une analyse de besoins en main-d'œuvre pour les prochaines années. C'est bien plus qu'un rapport, c'est un outil d'aide à la décision. Ce soir, au nom de tous les membres du conseil municipal, nous tenons à remercier tout le personnel dans nos 6 services, à savoir le service de la direction générale, le service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information, le service du greffe, des affaires juridiques et de l'urbanisme, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le service des ressources humaines, le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile, le service des travaux publics et des infrastructures, ainsi que la Société de développement économique de Montmagny, la SDEM, qui est un organisme paramunicipal, d'avoir collaboré et participé à la démarche. Vous avez fait preuve de disponibilité, d'ouverture, de courage et de franchise envers votre ville. Votre engagement dans la démarche a été très apprécié. Un sincère merci. En terminant, c'est ensemble que nous pouvons améliorer les services aux citoyens et citoyennes de la ville de Montmagny. Compte tenu que les séances publiques reprendront le 29 août, nous tenons à vous souhaiter de belles vacances, si tel est le cas, et surtout d'être prudents dans vos déplacements. Alors, comme le mentionnait M. le maire tout à l'heure, ce message, ce dernier paragraphe, s'adresse également, outre à notre personnel en place, mais à tous les citoyens et les citoyennes de la ville de Montmagny. Oui. Merci pour l'initiative. Donc, ça terminerait les interventions des membres du conseil, qu'on reprendra certainement au mois d'août avec, avec plaisir. Donc, personne en salle, donc, veut la période de questions, il n'y en aura pas. Ça nous amène à la levée de la séance. On n'avait pas convenu de qui traiterait ce point-là, numéro 31, mais je me fais m'adresser à ma personne. Ah oui, la personne ressource en matière de levée de l'Assemblée, donc je la propose. Merci beaucoup. Appuyez à l'unanimité. Tous sont d'accord. Oui. Alors, bon été tout le monde. Bon été. Merci. Au plaisir de se revoir. En santé. Oui.